Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, super content de vous retrouver aujourd'hui. Comme d'habitude, vous me direz, on se retrouve, oui, vous entendez bien des bruits de brawler parce qu'il y a le jeu en arrière-plan. On se retrouve du coup les potes aujourd'hui pour une vidéo très sympathique. On va tenter de percer dans le top français puisque regardez, nous sommes actuellement dans le top 200 des beaux en France. Donc on va tenter les amis dans cette vidéo de monter dans ce classement. Voilà, regardez les petits beaux. Tac, on est combien? On est allez, 140, 130. Et ce qui est bien, c'est que, eh bien, on a juste à gagner quelques games pour vraiment monter. Et bon, après, c'est un peu plus compliqué, hein, très clairement. Après, ah, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus dur. Mais si ça vous plaît, les potes, on fera d'autres vidéos. J'espère que vous kifferez. Et puis, je pense qu'on va bien se marrer. Il va y avoir des sales défaites, hein, je vous le dis, il va y avoir des sales défaites. Ça va être plutôt très très drôle. Et bah, pour vous, pas pour moi. Et j'espère que vous kifferez. Voilà, on va tenter de faire notre maximum pour percer dans le top français, et pourquoi pas dans le top monde, si vous kiffez, si vous mettez des likes, on fera des petites tentatives top monde, les potes, pourquoi pas. Allez, c'est reparti. Enfin, c'est parti, c'est la première game, les gars, donc on se met bien, on se focus. Allez, donc moi, j'ai évidemment le petit beau, assez intéressant, j'aime bien mettre quelques mines ici, hein. Ça, je kiffe, voilà, regardez, boum, ça fait mal. Ça fait très très mal. La Rosa ici. Boum! Ça dégage. Voilà, tout dégage. Il a l'air de bien vouloir se mettre ici. C'est assez surprenant. En général, les gens aiment bien se mettre à gauche ici. Là, il a l'air de vouloir aimer être à droite. Donc, écoutez, pourquoi pas. On va en profiter pour détruire tout ça. On va mettre quelques mines ici pour vraiment. Alors, là, attention à la Tara. Ouais, Tara. Oh, toujours plus loin, cousine. La meuf, elle est à 3,5 km, Emma. Ça passe quand même. C'est incroyable. Non, franchement, elle était loin. Avouez, elle était très très loin, cette Tara là. On va pas se mentir. Ouais, regardez, il n'y a plus qu'un carré de camouflage. Il n'y a plus qu'un carré d'air fraîche. Et d'herbe fraîche et les petites vaches. Voilà, c'est des vaches, hein, très clairement. Elles sont dans le petit carré, elles broutent. Elles campent et elles broutent. Voilà, c'est incroyable. Et voilà, elles campent, elles sont bien. Hein, elles ont mis la toile de tente, tout ça. Elles sont contentes. En tout cas, la première petite victoire, les potes, pour nous rapprocher du top 1 monde. Le mec s'enflamme. Les potes, pourquoi pas, en vrai, si vous êtes chaud, on pourra faire avec des joueurs très très bons. Nous, on est avec Tooms et Aprio qui sont voilà, des joueurs très très bons. Mais pourquoi pas, si vous êtes vraiment chaud sur les pouces bleus, eh bien de pousser ce concept. Hein. De toute façon, le concept de rush, c'est un concept, ça marchera toujours. Enfin, ce sera toujours un concept qui sera bien. Pourquoi j'en marque? Parce que c'est un concept où il y a du suspense. Est-ce qu'on va perdre? Est-ce qu'on va gagner? Vous savez qu'en plus, moi, eh bien, je sais que vous aimez quand je perds. Donc, c'est voilà. De toute façon, dans tous les cas, si je gagne, vous serez content. Si je perds, vous allez rire. Il y a aussi le fait d'avoir des plus beaux gameplays, sachant qu'on n'est plus en trophée, donc c'est cool. Il y a une petite mission qui est celle de monter en trophée. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Enfin, c'est pas de monter en trophée, c'est de monter dans le top. Voilà. Là, je suis peut-être 100e, j'ai envie d'être 50e. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Donc c'est plutôt intéressant. Et en plus, on tombe contre des très très grosses équipes. Donc voilà, tout est bénef. Je pense que vous allez kiffer. Le petit bulle, on va aider notre petite Rosa. À droite, comment ça se passe pour le Karl? Eh bien, écoutez, ça a l'air de se passer plutôt bien. Ah, dommage, là j'ai totalement fail, frère. Là, ça va pas du tout. Là. On va faire ça. On va essayer de l'aider. Ok, le jean est là. Le jean tonic, hein, évidemment. Le jean tonic qui est en bas. Et on va essayer. Alors là, il n'est pas l'air d'être bien notre pote. Donc ce qu'on fait. What? Attends, mais attends, il y avait un jean qui était mal et il arrive pas à me tuer avec toute sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis mauvais joueur? Pour le coup, oui. Pour le coup, oui. En tout cas, il a très bien joué le jean qui a récupéré ce qu'il avait loupé. Hein. Ok, donc là, très bien esquivé aussi. Ouais, je vais faire des compliments. La vidéo s'appelle Je complimente les adversaires. Voilà. Très bien. Non, mais wesh, il est passé où, frère? Ah, là, il y a un bulle. On n'a jamais vu ça. J'ai rushé toute la journée sur cette map. On n'a jamais vu de bulle, frère. Je sais pas ce qui se passe. Allez, hop, ah non. Tu sais, quand tu crois que tu l'as, mais tu ne l'as pas. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. Ouais, non, on s'en fout, les gars. Je vais pas commencer à raconter ma vie. On s'en fout, mais c'est plutôt drôle. Mais voilà, on va rester focus. Si je commence à raconter des histoires, parce que oui, je doute bien que c'est pas une histoire en mode. Non. Alors là, j'ai dit non. Alors, et quand je dis non. Non, mais pourquoi je me fais. Allez, Marosa, s'il te plaît. Le bulle qui s'en sort. Qu'est-ce qui s'est passé, les mecs? Non! Mais non! Mais je rêve, là! Qu'est-ce qui s'est passé, les mecs? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est à cause de mon anecdote. Mais non, mais ils sont tous à. Non! Mais
non, mais je suis blasé, les mecs. Qu'est-ce qui se passe, là? Ce vieux bulle, c'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Non, mais on avait tout. Je reviens au montage, mais voilà, vous allez voir. C'est drôle, hein, c'est drôle, voilà. Je quitte ce studio. Je quitte ce studio. Il y a un mec qui m'a dit, c'est pas un studio, c'est une chambre. Eh oui, c'est ma chambre, frère. T'as cru que j'avais un studio? T'as cru que j'avais les moyens de m'acheter un studio, ou quoi? Oh, j'en casse mon micro. Oh là là, c'est incroyable, ça. Incroyable. T'as tout, et après, voilà, il se passe quoi? Il se passe, voilà, tu perds tout, tu perds tout, tu perds tout, t'as plus rien, t'as plus aucune gemme, tu perds tes trophées, frère, tu t'es battu pour avoir des trophées, tu les perds, c'est grave, ça. Allez, s'il vous plaît, trouvez-moi des adversaires, trouvez-moi des adversaires pas trop forts, histoire qu'on les matraque, voilà, qu'on les massacre, pardon. Le gars confond les mots, rien ne va plus. Ah, je suis déçu, là, I am so sorry. Je suis trop désolé, là, pour vous, les potes, de vous proposer du gameplay. En vrai... Je préfère un gameplay où on se fait remonter pour vous plutôt qu'un gameplay où on se fait marcher dessus du début à la fin. Au moins c'était accroché, mais je suis dégoûté. Non, mais j'ai, voilà, je pense que ce que j'aurais pu faire de mieux, c'est vraiment être plus attentif aux copains. Aux copains qui voilà, là, et les gars, franchement, là, et on est sur une pression. Là, la pression, mon pote, ça débite, hein. Là, je peux te dire que ça débite. Qu'est-ce qu'ils font, là? Regardez, on est chez eux. Alors attention ici. Voilà, alors lui, il va tout... Et il va débroussailler. Il va débroussailler pour moi. Parfait. Voilà, il va me détruire ses propres herbes. Hein. Le mec détruit ses propres herbes. Donc ça, c'est... Il tourne la pelouse pour moi, c'est bien. Parce que moi, vous savez, mon objectif, c'est vraiment de... D'aller chercher mes bombes, mes mines pour aller... Alors là, j'avais trop envie de le tirer dessus. Désolé, j'ai pas la gêne, mais... Mon objectif, c'est d'aller chercher des mines pour détruire leur champ de patates, là. Mais lui, le Colt, il a l'air d'aimer détruire son propre champ de patates. Donc, vas-y, je vais te laisser détruire ton champ de patates, frérot. Ok, allez, mets-moi un petit coup d'ulti, mon Colt, là. On va aller détruire ce champ de patates à gauche. Je vous lis, les potes, un ricochet bien joué sur cette map, c'est très très fort. Fort heureusement, c'était pas le meilleur du monde. Ok, donc là, les petits trucs comme ça, c'est pour dire qu'on est content, hein. C'est les amis. Voilà, c'est pas du spin pour que les autres le voient, pas du tout. Oh my god! Attendez! Oh! 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 Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé, là? Pourquoi c'est... Pourquoi on a de la chance? Là, on a de la chance, les mecs. Un corbac, là, je vous le dis. Un corbac sur toi, tu t'y attends pas, et boum! À droite, il y a un corbac qui arrive. Le corbac qui arrive sur toi. Tu la connais, celle-là, ou pas? Tu la connais en showdown, surtout. Ok, alors on va faire encore une fois le petit plan. Je vais essayer de vous donner quelques conseils avec Beau. Que je cache pas que c'est mon brawler favori, et oui. D'ailleurs, en ce qui concerne les brawlers favoris, les potes, il y aura une petite vidéo qui va sortir demain. Voilà, je vous dis ça, je vous dis rien sur mes brawlers favoris, tout simplement. Posez pas trop de questions. Ok. Oh yes, yes, yes. Ah oui, oui. Ah, j'aime bien que ça se passe comme ça. J'aime bien que ça se passe comme ça. Voilà, c'est serré, c'est tendu. Alors lui, oh, j'étais sûr que le Spike irait rusher, dis donc, ce petit Karl. Allez, reste, reprends ta vie, mon psy. Voilà. Ok, on a hit, on a touché. Non mais, oh, il est où? Non mais, ah, il est trop bon, leur Spike. Ok. Bon, pensons-là, il y a la petite Penny qui est solo. Elle est bien, la Penny, elle est solo. Allez, elle fait sa vie, hein. J'ai pas réussi à cycler un truc. L'objectif, c'est évidemment... Ah, de mettre le... ça veut pas les mecs, ils ont pris le dessus. En fait, quand tu prends le dessus dès le début, après c'est mort, tu vois, enfin... Soit tu es bien dès le début. Ok, non là, oh par contre là, oh oh oh, oh bébé. Non, en fait, ils ont pris le dessus dès le début, les mecs, et quand ils prennent le dessus dès le début, c'est très compliqué. Voilà, ils ont pris le contrôle du centre et ils ont pris leur marque. Et ça ne passera pas, mais je suis dégoûté. C'est quoi ce mode de gemme là? Pourquoi? Voilà, ils sont... Voilà. L'autre, la peignée, elle a tout. Elle a tout pris, en fait là c'est du beurre, voilà, ça c'est le beurre, ça c'est eux, ils ont fait comme ça. Voilà, ils sont rentrés comme dans du beurre. Ils sont rentrés comme dans du beurre, en vrai ils ont pris le contrôle du mid. Est-ce qu'on va perdre des trophées, les potes, sur cette... C'est incroyable, le mec perd des trophées, quoi. Là on doit plus être top 100, là on doit plus être top 100, on doit plus être top 200, là, je sais pas du tout. Allez les gars, on se focus, je suis là pour vous aider. Focus les mecs. Ok. C'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Non, allez, sérieux, les mecs. Non, mais en vrai, là, ça va pas du tout. Enfin, là, c'est que... Ah, je joue mieux quand je suis dans mon lit tout seul, là. Voilà, j'ai mon petit... Mon grand lit, voilà. J'ai mon grand lit qui est à droite, là. Voilà, je suis bien dedans. Je suis tout allongé. Je joue mieux quand je joue pas. Voilà, vous déconcentrez, les mecs. Ok. Ok.
ok. Alors, évidemment, on va essayer de d'aider nos copains. Voilà, très bien joué. Encore une fois, un petit... Alors là, vous savez quoi? En fait, alors, je vais vous dire un truc. Le SPAC, il envoie toujours ses trois attaques à la suite. C'est un truc de fou. Il envoie toujours ses trois attaques à la suite. Là, je dois pas crever, les mecs. Je suis désolé, là. Désolé aux alliés, mais... J'ai le temps de rien m'envoyer. Ils sont déjà à 6, frère. C'est incroyable. Il y a deux gemmes qu'on pop, ils sont à 6, mec. Non, mais ils esquivent tout. Franchement, leur spike, il est bon. C'est le même que tout à l'heure ou pas, non? Ok. Ok. Là, j'aime bien. What? Mais non, mais c'est le corbeau. Mais non, mais pourquoi il a tout pris? Pourquoi il a tout pris? Non, mais attendez. Non, mais je rêve, là. Attendez, c'est le corbeau qui a tout pris, quoi. Incroyable. L'autre, non mais mec, ça joue à rien. Ça joue à rien. La Tara, elle a recyclé. Allez, moi, Prio, GG mon frère. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est le Brawl Star qu'on aime, ça. Vas-y, viens là, toi, mon pote. Venez tous là, les mecs, je vous le dis, hein, je vous attends. Nice, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut... Non, mais s'il vous plaît, une game. Il faut absolument qu'on gagne, les mecs, je vous le dis, on n'a pas le choix. C'est tellement tendu, ça, en fait... Ça joue à rien, vous avez vu le petit corbac à 10 points de vie. L'autre il passe à deux doigts des bombes, il les voit pas. Ah si. Ça joue à rien les mecs. Très bien joué à Toons. Hein. Très bien joué mon Toons. Non mais please. Non mais j'en peux plus là. Pourquoi c'est comme ça? Non mais je suis trop triste les mecs. Je vous promets que je suis trop triste. Si on perd, je suis tellement triste. Là, il faut mettre des bombes dans tous les cas pour protéger. Non, non, mais oh, calme-toi, toi. Là, on bombarde dans le tas, mon pote. Je sais même pas où je tire, mais j'envoie. Voilà, là, j'envoie. J'ai 7 gemmes. On va rester un peu devant parce qu'évidemment, ils peuvent faire très très mal. Il faut mettre la pression, voilà. Faut pas se planquer tout de suite. Voilà, il faut mettre la pression. Il faut la mettre. Oh, il a cru. Et franchement, les potes, ça passe. Le corbac, il y a trop cru en bas, mon gars. Il a fait son move une fois. Il a cru que ça passerait 20 fois. Allez, 700, allez, moi je me dis 780 encore de victoire. Oh, oh, on est à 12 minutes. Le mec veut tenter les deux victoires. Ça peut faire de défaites, hein, je vous le dis les potes, ça peut faire de défaites. En tout cas, c'était une vidéo très très marrante les potes, j'espère que vous avez kiffé. Oh là là, le coup dur, le frérot qui s'en va, on n'est plus que deux les potes. Vous savez ce que ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire les potes. Vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire survivant. Survivant duo. Les amis, je vous le dis, alors là, j'ai la flemme de partir en random. Parce que voilà, je tente quand même un petit record là. J'ai envie de monter avec mon petit beau. Du coup, on va partir en survivant. Le mode où il peut se passer tout et n'importe quoi pour bien finir la vidéo, les potes. J'espère que vous kifferez cette session. Hein. Franchement, j'ai kiffé cette vidéo, les mecs, je vous le dis. Hein. J'ai beaucoup ri. J'espère que vous kiffez aussi le format. C'est pas un format trop pro où je vous mets les victoires et tout. Voilà, j'essaie de faire du mieux que je peux en apportant ma touche personnelle, donc j'espère que vous kiffez les amis. Et si vous avez des choses à améliorer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je lis tout évidemment. Alors lui il est juste ici. On a une Nita. Wow. Ok, une Nita assez agressive. C'est à noter pour la suite. On sait qu'elle aime bien agresser. Ok, donc là il y a un Colt qu'on voit pas malheureusement. En fait, c'est abusé parce qu'en fait, on voit rien. Frère, on voit rien en fait. On a des lunettes noires. Nous sommes dans un autre monde. Ils nous voient, mais nous, on ne les voit pas. Vous avez bien vu que le Colt nous tire dessus et qu'on ne voyait rien. Meurs pas. Le Daryl est parti très loin. Là, le frérot, il est parti à l'autre bout du monde. Il est parti très très loin, ouais, malheureusement. Alors, obligé de mettre la pression. Il est juste ici, non? Ouais. Yes. Je vais essayer de le faire respawn juste ici, sachant qu'il a Daryl, même au niveau 1. C'est pas dégueulasse. Ils ont l'air d'être... Franchement, ils en veulent. Hein. Les mecs, ils en veulent. Hein. On le voit qu'il... Il passe mon Daryl ou pas? Yes. Ok, est-ce qu'il avait son nom? C'est donc pour ça qu'il se l'a pété. Le mec en rajoute. Pour ça qu'il se l'a pété énormément. Non, non, mais en vrai, ils osaient, tu vois. C'est bien d'avoir des joueurs comme ça. Ok, donc là, j'ai peur d'avoir un petit corbac sur moi. C'est vraiment... je suis un flip. Je flippe du corbac, en fait. Je
Je déteste les corbacs. On va peut-être arrêter de me saouler maintenant, non? C'est top 1 ou c'est comment? Ou... Ça veut ou ça veut pas? Voilà, ça veut enfin les amis. Ok, nice. Bon, ça nous fait un petit top, top 1 plus 9. Yes. Yes, yes, yes. Allez, on tente les 980. Bien sûr que oui, on les tente. Allez, ce sera la dernière game, les potes. La dernière petite game. Et on verra combien on est à la fin. Je pense top 80. Je pense top 80 FR. Peut-être un peu plus, peut-être un peu... Non, pas moins. Je pense qu'on sera pas moins de top 4. Top 70, on va dire. Allez, top 70, pourquoi pas. En tout cas, faut faire vraiment très attention parce que là, tout peut arriver. Donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire en sorte de prendre le moins de risques possible. Après, faut faire top 2. Hein. Top 3, ça ne rapporte pas. Il faudra prendre des failles dans tous les cas. Et moi, il me faut absolument mes ultis. Ok, il était Jedi. J'aime beaucoup Beau sur cette map, hein, les amis. Je joue pas par hasard, c'est que... il permet de voir dans les buissons, et beaucoup de buissons sur cette fameuse map, donc c'est assez intéressant. Il me donne des gemmes, le frère. GG. Vraiment très bien joué. Très très bien joué. Oh, il a vraiment esquivé, là. Juste peur que son pote arrive. Ok, c'est pas le cas. Ça fait toujours... très bizarre de voir un pote arriver comme ça. Ah, je suis dégoûté. Il a 9, les gars. C'est beaucoup trop. Je sens qu'il y a quelqu'un en haut. Non, 3 dedans, il n'y a personne. Il n'y a personne en haut. Personne en haut. L'objectif, c'est le top 2. On peut attendre qu'il se fight. Chaque stratégie est bonne, les amis. Là, il n'y a personne. Ok, le max à 9, il me fait très peur. À 11. Ok, on va se mettre ensemble contre les plus nuls. C'est logique, et on va faire top 2, je pense. Hein. Top 2, ça me va. Ici, faut pas s'attendre à des miracles. Voilà, top 2, ça me va, les amis, c'est parfait. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, les potes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. On va tout de suite découvrir notre classement. On n'est pas à 780, mais presque. On va découvrir ça. Oh, attention, on va pas relancer. On va découvrir le classement. Attention, attention, pour le beau. Pour le beau, on est à... Hop là, 57. Eh bien, les amis, 57e. Si vous kiffez la petite série, n'hésitez pas. On monte certains brawlers. Perso, je kiffe. C'est la première fois que je fais ça. Je vous l'ai déjà dit 50 000 fois. Mais voilà, je kiffe vraiment cette série. Laissez pas liker. À vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos. Il y en a tous les jours. Vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Il y a plein de vidéos. Voilà, tout plein de vidéos gratuites. Ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt, les potes. Ciao, bye.